Critiqué, Patrick Cohen, C'est à vous, reconnaît le manque de nuances de son édito politique sur le meurtre de Thomas Acrépole. L'éditorialiste de C'est à vous a réagi, ce mardi 28 novembre 2023 dans le 19-20e Info de France Info, aux commentaires qu'a suscité sa chronique de la veille. Autocritique. Au lendemain de son édito contesté, après lequel il a été accusé de relayer des faits non établis comme ceux ayant conduit dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. À la mort par arme blanche de Thomas, 16 ans, lors d'une fête de village à Crépole, Drôme, Patrick Cohen, l'éditorialiste de C'est à vous a reconnu un manque de nuance dans son texte, ce mardi 28 novembre 2023 sur France Info. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Dans l'édito en question, Diffusé lundi 27 novembre 2023 sur France 5, l'ancien matinalier de France Intérêt. Europe 1 a refait le film de la nuit tragique alors que l'enchaînement des faits n'a pas encore établi avec exactitude par les enquêteurs, a fait savoir le parquet de Valence. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules, raconte ainsi Patrick Cohen. C'est là que, d'après les mis en cause, un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy, traduit-il. La bagarre qui suit aurait vite dégénéré. Les offensés sortent des couteaux. Un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Surtout, Patrick Cohen part du postulat non établi que la dizaine de jeunes avaient rejoint la fête sans mauvaises intentions alors qu'il était équipé d'armes blanches. À ce sujet précisément, deux versions s'opposent, a rapporté la journaliste Anaïs Crou dans le 19-20e info présenté ce mardi par Barbara Klein, Exe News sur France Info. La première estime que la bande, originaire d'un quartier populaire de Romans-sur-Isère, Drôme, se serait rendue à cette soirée avec une volonté d'en découdre quand une autre. Celle défendue par les principaux suspects du meurtre de Thomas, neuf individus ont été mis en examen ce samedi 25 novembre, fait donc état d'une bagarre improvisée pour un motif futile qui aurait mal tourné. Une soirée qu'il est difficile encore de raconter. La version relayée par Patrick Cohen. Le journaliste, critiqué sur les réseaux sociaux et par l'extrême droite, Stanislas Rigaud, reconquête. Dans TPMP et Jordan Bardella, Rassemblement National, sur Europe 1 en tête, scène est expliquée au micro de France Info. Quand les réactions sont aussi vives et épidermiques, c'est ce qu'il manque toujours un peu de nuance, a reconnu l'éditorialiste sur le plateau de C'est à vous. Mais mon propos n'était pas d'établir une vérité définitive, n'était pas non plus d'atténuer la gravité des faits, a-t-il contrebalancé dans le même temps. Il s'agit là d'un reproche constant fait à cet édito de Patrick Cohen. L'idée était vraiment de pointer le décalage qu'il pouvait y avoir entre les discours politiques, cette espèce de fantasme d'une guerre civilisationnelle, d'un conflit ethnique. D'une France dressée l'une contre l'autre et la réalité de ce que l'on sait d'une enquête extrêmement complexe et d'une soirée qu'il est difficile encore de raconter, conclut Patrick Cohen. Puremedia.com vous propose de visionner la séquence. Ce fait divers tragique a en effet réveillé les discours du type, le plus souvent tenu par les partis d'extrême droite Rassemblement National et Reconquête. Ce samedi 25 novembre 2023, elle ultra droite a rassemblé ses militants dont certains seraient membres de la division Martel. Un groupuscule néo-nazi proche du Gude, pour affronter des habitants du quartier de la monnaie de Romans-sur-Isère. Vingt personnes ont été interpellées. Lundi 27 novembre, un cortège, composé de membres de groupes d'ultra-droite comme les Remparts de Lyon, a marché dans la capitale des Gaules malgré l'arrêté interdisant ce rassemblement pris quelques heures plus tôt par la préfecture.